Fouladé là. Malphite est ban. Putain, je joue quoi? C'est Malphite est ban. Tellement de choses à jouer, putain. Renekton, c'est le mieux là. Piglet égale Bicoque. Pourquoi les gens sont autant à l'aise? C'est une dinguerie, genre. Et je peux jouer dans 13 secondes. Oh, ça l'est finito. J'ai pas de... En vrai, je peux pas le dive, j'ai troll. J'ai voulu sécure le canon. À cause de ça, je peux pas le dive, putain. Faut que je dive en deux temps. Vous avez tué un ennemi. Bon, ok, je pouvais toujours le flash s'il décidait de pas go in sur moi complètement. J'avais toujours la dernière auto en flashant. Du coup, j'étais fine anyways. Et j'ai go, il boite en plus. Et la wave, elle push vers moi. La Riven n'a pas de flash, pas d'ignite. Elle peut pas faire grand chose là. Mais le truc, c'est que deux temps. Si elle joue bien, je dois la dive en deux temps. Mais dans tous les cas, elle se faisait dive. C'est tout, hein. Plus mon off. Juste par, me prend pas d'XP. Je peux la freeze jusqu'à ce que je serai level 6. Une fois que je suis level 6, j'ai pas trop d'intérêt à la freeze parce que je pourrais la dive. Pour l'instant, on joue normal. On espère que notre botlane int pas trop. Et on devrait être bien dans la game. On devrait pouvoir la freeze pas sur cette wave jusque la prochaine. Et ensuite après cette wave là qui arrive, on devrait pouvoir slow push sur level 6 sur le slow push. Ensuite on pourrait la dive pour aller à 100-0. C'est comme ça que je vois la link phase pour l'instant. J'ai juste wardé derrière parce qu'on sait jamais si Riven demande de l'aide à Viego et que Viego décide d'aider son top laner, ça peut être que par là. Voilà, comme j'avais dit. Le Viego a qu'une seule route de gank anyway. Là, je peux jouer avec. Hop. Là, il y a juste Viego qui peut être dans le try bush. Je passe level 6 dans deux creeps, dans un creep, donc on va pouvoir bait ici. Et on va pouvoir la dive prochaine wave. Sachant qu'elle joue pas plaque d'os, donc c'est assez facile à dive. Merci Mitri pour le 26ème mois, ça fait plaisir, mon ref. J'ai mon Z dans 10 secondes, du coup, on va essayer de slow push le maximum. Pour que quand la wave crash, j'aurai mon Z. Rien de bien particulier. On va faire attention, on va essayer d'engage avec auto avant de Z pour maximiser les dégâts. Faut juste qu'on soit en range de pouvoir auto puis Z. On va jouer slow. On va la dive en deux temps ici. Nice. On savait qu'elle avait pas de flash. Hein. Ça suffit. Pas grand chose qu'elle puisse faire sur ce timing anyway. Ça c'est quand même compliqué, mais j'ai quand même envie de rester. Que j'ai mon. J'ai dans 400 gold. Viens là en vrai. Si elle vient là, c'est free. Et elle décide de retourner top. Bon, là, ça va être compliqué parce que j'ai grid mon back pour avoir VOTRK. On a vu Viego topside, la Riven ici, elle a encore son ignite. Donc, si elle veut, elle peut me dive. En vrai, je pense qu'elle peut me dive si elle veut. On verra ce qu'elle fait. On va juste utiliser le fait que Ekarim est top. Elle tente pas le dive. On voit la Riven qui décale mid ici, c'est parfait. On aura le temps de cheat la wave ici, on va pouvoir la one shot et back. Petite erreur de la part de Riven de s'absenter de la lane là. Ça me donne un free back. On voit Viego, on va même pouvoir gratter la tour avec le démolish. Hop là, parce qu'il me manquait un tout petit peu de gold.
Et on va même encore pouvoir rester parce qu'on a notre ulti qui est revenu. La Riven qui a son flash d'up maintenant. On va voir si elle back. Elle décide de rester. Bon, je me fais stream hack là. C'est pas très très grave. Si elle me freeze, c'est très dangereux pour elle. Ça sert à rien de freeze quand t'es autant derrière vu que tu vas te faire dive. Tu peux pas, tu peux te faire dive après. Donc grossière erreur de sa part. Attaque naturelle, on va pouvoir la 100-0 sous tour. Je vais juste pas utiliser mes spells sur la wave pour maximiser un maximum de fureur. On va passer level 9 en plus, parfait. Nice. Fast combo. Je crois que c'est ça qui m'a arrêté. Frérot. Pas de temps entre toi et moi, par pitié. Votre équipe a détruit une tourelle. Une wave me donne plus que la Riven. Elle est partie de ta vie contre Ekarim. Evel Kozani, la pauvre. Samira, c'est même pas un auto-attaqueur de base. Ah, bonne chance pour jouer la game, ma petite Riven. Là, on va jusqu'au mid, on va pouvoir taper les plaques au mid. On a pris deux plaques au mid pendant que Samira hitbot, c'est parfait, je suis on time pour la wave top, je vais juste perdre le canon, c'est pas très très grave. Invincible. 0-6-0, on a passé une très très bonne game là à l'arrivée de moi, je vous le dis. Bon là mon objectif c'est qu'elle est morte, on va essayer de gratter un proc démoli sur la T2. Parce qu'à terme, je voudrais prendre cette T2 le plus rapidement possible. Ça va me débloquer pas mal de trucs dans la game. Si je prends cette T2, un proc démoli, c'est déjà pas mal. Et on est bien. On a gratté un petit peu moins de 30% des PV de la tour. La petite strat, les amis, vu que l'Héral va être mis au mid, on va juste se mettre là pour avoir les golds de la plaque. Excellent. Et bien sûr, si le Z décide de se coller au mur, bah on va le dive. Hein. Pendant que Samira est en train de chill au bot avec la tour. D'ailleurs, on va back, on va récupérer notre crawler. Bon, cette wave, hein, c'est que 6 creeps. Bon, vas-tu le faire? Ah. Elle est chiante, hein. Peut-être mort là. Ouais, my bad. Et c'est pas kill shutdown. Ah, take it. Bon FF, nice. You well played.